Bonjour à toutes et à tous, c'est Amis Wolfie, on se retrouve aujourd'hui sur Mass Effect, bien sûr. Mass Effect Legacy of the Reapers. Et sur Starcraft 2 Legacy of the Void pour la dernière mission. Avant l'épilogue, bien sûr. Et avant l'émission de Nova, bien évidemment. Pour la dernière mission de la campagne Legacy of the Void. Ou presque. Et n'attendons pas, allons-y. La clé est prête, Hiérarque. Nous attendons vos instructions. Darax, ouvrez un canal pour toute la flotte. Je souhaite m'adresser à l'ensemble des Templiers. Bien, je t'en prie. Mes frères, écoutez-moi bien, car il nous reste peu de temps. Tout ce qui reste de notre race et de notre civilisation, c'est ceux que vous voyez autour de vous, et ceux qui ont été corrompus sur la surface de ce monde. Notre peuple était autrefois le protecteur d'une galaxie pleine de promesses. Nos divisions et notre orgueil nous ont fait faillir à cette tâche sacrée et nous ont conduits à l'armée. Le Kala, conçu pour nous offrir l'unité, a fini par accentuer ces divisions. Son espoir était mensonger. Aujourd'hui, ce mensonge doit cesser. Et avec lui, nous devons faire de nos préjugés et de notre arrogance des choses du passé. Car nous combattons maintenant pour démontrer que notre histoire n'est pas achevée. Que les Protoss peuvent se rallier autour de l'idée d'union. Que les Protoss sont capables de fonder une nouvelle grande civilisation. Faites-vous confiance dans le combat qui s'annonce. Frappez avec la même volonté. Que notre dernière bataille laisse une trace si brillante que quelle qu'en soit l'issue, nous ne soyons pas oubliés de toute éternité. La clé est en place, Hiérarque. La saturée de puissance risque de demander un peu de temps. Les Nérazim sont en ordre de bataille, Artanis. Nous tiendrons l'accès nord du temple. Avec les purificateurs, nous nous chargeons de l'entrée sud. Quant à moi, ma place est au front, en première ligne. Je compte bien faire goûter à Amon toute l'étendue de ma colère. Mes troupes assureront la protection de la clé et notre défense à tous. Nous vous appuierons autant que possible. Hiérarque, nous sommes encerclés par les Zergs, mais qu'en est-il de l'armada dorée? La désactivation de la matrice psionique a certes retardé son retour, mais... Amon va déchaîner toute la puissance de la flotte amirale contre nous. Cela ne fait aucun doute. Mais nous ne céderons pas. Nous, les Delan, sommes plus unis que jamais. Entaro Adun! Entaro Tassadar! Entaro Zeratul! Pour ailleurs! Oh putain! Artanis, vos exécuteurs ne pourront pas défendre les accès au temple indéfiniment. Tenez-vous prêt à devoir leur prêter main forte d'un instant à l'autre. Ouais, ouais. Ça lui va tellement bien, le bleu ciel. Et ça fait... Oh, je viens d'y penser. Ça fait référence au premier Tal'Darim que l'on croise dans Wings of Liberty, qui eux aussi étaient bleu ciel. Waouh ! Tellement de... Oh putain, ils sont fous. Ils sont malades, ils sont dans les murs. C'est... Quoi ? Qu'est-ce que... Non, ta gueule. Ferme ta gueule. C'est mieux comme ça. Mais voilà, alors par contre, il y a un phénomène qui explique pourquoi le jeu est quand même relativement optimisé, disons. Hein, c'est pas que ce n'est pas non plus n'importe quoi. L'ennemi approche. Nérazim, préparez vos translames. Nous ne reculerons pas.
Les translames, c'est des lames qui ont changé de genre. Pardon, c'est nul. Oh putain, c'est nul. Oh là là. Butez-moi. Vous n'avez pas assez de minerais. Je sais même plus ce que je voulais dire du coup. Oui, il y a un phénomène qui est... Il y a un phénomène qui est présent dans StarCraft, c'est que les combats qui... Alors comme ça, Amon a l'intention d'assiéger le temple de tous côtés. Entre toi, Maître Noir, et viens affronter Alarak, au seigneur des Maldarim. Bien, ce que je voulais dire avant d'être interrompu, comme une merde, c'est que globalement, pour des soucis d'optimisation et de performance, les combats qui ne se passent pas dans la vue, en fait, du moins dans la campagne, parce que regardez tous les points rouges qu'il y a déjà ici, je veux dire, voilà. Pour des raisons d'optimisation, et parce que tout doit se gérer au niveau CPU, hein, les calculs de l'IA, il s'avère que... Cercle détecté à proximité de l'entrée sud. Amon met nos défenses à l'épreuve à la recherche d'une faiblesse éventuelle. Ne lui en montrez aucune. Un jour je pourrais parler sans doute, mais il s'avère que en fait tout est calculé à une vitesse différente, s'il vous plaît. Il n'y a pas autant de tics qui se passent, il n'y a pas autant d'actions par seconde, je vais dire, qui se passent quand quelque chose se passe hors de l'écran que quand quelque chose se passe à l'écran. Puisque vraiment quand c'est à l'écran c'est calculé en temps réel. Alors que quand c'est comme ça, c'est calculé peut-être, admettons, un tic par dixième ou vingtième de seconde, j'en sais rien. Ce qui fait que parfois, surtout dans les niveaux de difficulté supérieure, c'est toujours le côté que vous ne regardez pas qui se passe le moins bien. C'est comme ça. Tiens ! J'en profite, hein, parce que, voilà, j'en profite. Ah merde, putain, évidemment. Tiens, je mets ma main là, hop. Amon lance les appareils les plus puissants de l'armada contre la clé. Aussi douloureux que ce soit, nous n'avons pas le choix. Il faut les détruire. Putain, je peux pas utiliser leur truc à eux, quoi. Les musiques de ce jeu, par contre, sont exceptionnelles. Genre vraiment. Vas-y, je t'en prie. Vous dites vouloir sauver votre peuple, mais vous en êtes les bouchers. Il n'y aura que désolation. Mais pas tout à fait tort, là, malheureusement. Voilà. Ils vont attaquer par là d'abord, je pense. Ça serait pute sinon. Putain, ces musiques! Cet OST de qualité! Faut vraiment que je l'extrais du CD qu'il y avait dans la collector parce que. Oh putain! Elle me donne à chaque fois des frissons. Surtout cette musique en particulier. Qu'est-ce que je raconte? Ardanis, l'armada dorée attaque la lance d'Adun. Je vais essayer d'appuyer vos troupes, mais nous subissons d'importants dégâts. Ce vaisseau est un emblème de votre espoir. Votre foi n'est que méprise. Nos ennemis envoient un flot de troupes sur le chemin principal. Les Taldarim vont avoir besoin de renforts. Ouais. C'est ce qu'on va faire. C'est bon, ok. Tout se passe bien.
c'est un sacré flot d'ennemis quand même là en fait. Ah, ça va attaquer à l'est. Enfin au sud-est. En bref, voilà. Une autre escadre se dirige vers la clé. Oh putain. Il faut la repousser. Ok. Allez. Là. Vous, par là. Je sais. Ok. Allez les dragons. Putain, j'aurais tellement dû prendre les adeptes ici en fait. Bon, temps mort. C'est bon. Oh putain, le tempête. Tu fais chier là, le tempête, vraiment. Va pas être du tout au bon endroit. Bah vas-y, je t'en prie, détruis-le. Ah oui. Faible, impuissant, capitulé. La lance d'Adun est touchée de plein fouet. La matrice de production ne répond plus. Il n'est plus possible de transférer des pylônes. C'est pas grave. Enfin, si. Il y a toujours moyen mais d'utiliser le pouvoir via la maîtrise de production, non. Mais on peut toujours faire ça, ça c'est clair. Utiliser la flotte. Ouais, vas-y. Ça serait fumé. Ah mais non, c'est là les trucs des armes aériennes, c'est pas grave, ça marche aussi. Hop. On va essayer de garder tout le monde en vie, hein, quand même. Guerriers, une vague d'ennemis sera bientôt sur nous. Soyez vaillants et nous tiendrons. Bien, y'a quoi? Du joli petit monde. Oh, ça serait dommage que tout ça crame, en fait. Non? Oh là là, c'est triste. Oh là là, oh putain. Ils sont vénères quand même en fait. C'est bon. Allez voir là. Oh oui, allez voir là, vraiment. Aider les purificateurs, ça va, ces machins là, ça devrait pas trop être... Priorité, c'est... Au vu du nombre, c'est ici. Ok, c'est bon. Putain. Oh là 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 là, je suis désolé mes frères. Vraiment désolé. Non mais visez-moi ça d'abord, hein, les gars, soyez pas cons. Voilà, ça fond. Où jadis naissait le salut, tout sera englouti dans les flammes purificatrices. Voilà, Nord. Voilà. Oula. Attendez. Thomas.
vous en prie, hein, les gars, c'est le moment, en fait. Oui. Vous pouvez, hein. Ok, ok. Ça meurt, merci. Vous rentrez. Aïe. Le module d'attaque est endommagé. La lance solaire est désactivée. La matrice énergétique de la clé est à moitié chargée. Nous devons tenir encore. Pas grave, il y a toujours moyen. Nous détectons plusieurs ennemis en approche. Ils attaquent sur deux accès à la fois. C'était pas le cas avant ? Sans déconner. Mais non, pas toi, putain. Je m'en fous de ta gueule. Oui, je sais. Vas-y. Je t'en prie. Attendez, on va quand même demander l'aide au héron. Ça serait bien. Ok. Tac. Noyau prismatique. Vous n'avez pas assez de minerais. Vous n'avez pas. N'avancez pas trop, les gars. N'avancez pas trop. S'il vous plaît. Vous n'avez pas assez de minerais. Voilà, ok. C'est bon. Hiérarque, nous détectons une formation bien plus importante en approche vers la clé. Soyez parés au combat. Oui. T'inquiète. Vous n'avez pas. Notre pilote subit une attaque. C'est pas grave, il m'est pas utile. J'ai plus rien d'agressif par contre, hein. C'est plus que du buff maintenant que j'ai. Ou du debuff en fonction de comment tu vois la chose. C'est bon. Il est tellement fumé avec son truc là, lui. Carax quoi, putain. Ah. Oui, c'est pas faux. La base de vos alliés est assiégée. Oh là là. Oh là là. Je reforgerai l'univers tel qu'il aurait dû être. Parfait. Ouais, c'est ça. Oh putain, oh le vaisseau mère, je suis désolé ma grande. Ah. C'est bien, reconstruise au moins eux. Un minimum. Très bien, ça c'est nickel. Ils ont quoi eux ? Ils ont juste un. Et en face ? Bon, ça a l'air d'être le cas aussi. Avec mon 2-3 quoi, j'ai l'air... j'ai l'air tellement pas mal... Ah, merde. Fuck. Brèche de la coque. Maillage défensif désactivé. Les systèmes de bouclier ne fonctionnent plus. Et merde. Il n'y a plus que ça. T'es génère. Ok, on va rester là. J'aurais même pas fait un seul. Nos ennemis attaquent les trois entrées en même temps. Résistez, mes frères. Oh.
petit vaisseau mère qui fait plaise. Ok, ok. Et là, je fais ça. Blam. Tu fais quoi? Hein? Tu peux plus faire grand chose maintenant. C'est con, hein? Le problème, c'est que ça fait pareil sur la clé, hein. Ça va, ça se passe bien. Là aussi. Ok, ça se gère, ça se gère. En vrai, attends. Voilà, je fais ça. Maintenant, hop, on va faire un vaisseau mère. Ha! Vous y attendiez pas, ça, hein? Tout petit vaisseau mer là en plus, c'est mignon. Ouais, par contre. L'armada dorée, symbole éclatant de votre arrogance. Que votre orgueil soit votre perte. Qu'elle vienne. C'est bon. À peu près. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Non? Et regardez la magnifique chose qui va venir. À nous, la victoire. Bienvenue. Tant que la gloire est au bout du chemin. Tu peux vraiment blink? Ouais, elle peut blink. Ah, c'est beau. C'est cher, par contre. Et je peux n'en faire qu'une. Les Taldarim sont submergés. Renforcez le rang. Mais tout va bien. Peut-être, je pense. Voilà. On va se calmer là. La clé charge, la clé charge. Refais tes trucs toi, ouais. Toujours son vaisseau au mer. Oh là, oh non, oh non, oh non, oh non. Oui. Oh putain. La raison. Je me suis épaté. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Ok, ok. P1. Voilà. Et on peut plus. Chier. Par les dieux, leur vaisseau se jette de front sur la lance d'Adoun. Le noyau est en état critique. Hiérarque, nous ne pouvons plus vous appuyer. Vous avez remarquablement aidé, Roana. Ouais. La clé sera bientôt à pleine puissance. Esquivez tant que vous le pourrez. Voilà. Vaisseau mère contre vaisseau mère, ça fait quoi? Hein? Tu as leur sang sur les mains, Thalys. Sauveur factice. Ton hérésie sera leur mort. Hiérarque, nous percevons un torrent sans fin de signatures Protoss. Il envoie tous les Templiers possédés à l'assaut de la clé. Nous résisterons, Carax. Nous le devons. Ouais. Une machination. Que le bain de sang commence. Dans
tant que la gloire est au bout du chemin. Notre héritage l'exige. Ok, c'est bon. Allez, là aussi. Ils doivent tenir. Reste là, restez là. L'énergie qui émane de la clé atteint presque son maximum. La victoire est à portée de main. Allez. Espoir, mes frères. La base de vos alliés est assiégée. Ok. Je me ferai ton jeu. Tant que la gloire est au bout. Vas-y, vas-y. Juste un petit peu plus. Juste un petit peu plus. La base de vos alliés est assiégée. Oh la ra. Non, non, non. Le vaisseau mère, il faut que le vaisseau mère tienne. Va aider ta sœur. Non, ah, il est tombé. Tant que la gloire est au bout du chemin. Quand tu veux, Carax. Quand tu veux. La base de vos alliés est assiégée. La matrice d'énergie est chargée. La clé est prête, Hierarch. Guerriers, repliez-vous autour de la clé. Qu'ils viennent à nous. Débarrassez-vous, Damon! Tranchez vos cordons nerveux! Non. Nous sommes unis dans le Kala. Sans le Kala, qu'allons-nous devenir? Libre. Mensonge. Croyez-moi. Maître Noir a été banni. Il est retourné au vide. Pour le moment, nous sommes libres. Tout cela, nous vous le devons. Je donnerai forme à notre grand rêve d'unification des Protoss. Nous allons rassembler les survivants. Rebâtir nos cités. Débarrassés de nos divisions archaïques, nous fonderons une nouvelle société. Ensemble, nous façonnerons notre destin. Parmi
bénit les étoiles. Nice. Ouais, mais on l'a perdu assez vite quand même, c'est ça qui est triste. Et les crédits, bien sûr. Comment est-ce possible ? Hiérarque, nous recevons une transmission non autorisée. Ulnar. C'est Kerrigan. Ah oui, les crédits, c'est... voilà, crédit. Mais en fait, non, c'est pas les crédits, il y a l'épilogue après. Ah là 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 là. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Hein. On se retrouve bientôt pour l'épilogue, bien évidemment. J'espère que cette vidéo aussi vous aura plu, donc comme je disais. Merci d'avoir suivi. Voilà. Et on se retrouve pour l'épilogue juste après. Donc moi je vous dis salut à tous, qui l'a c'est là et portez-vous bien.